Je m'appelle David Perron, je suis maître de conférence en sciences de l'information et de la communication à l'Université d'Aix-Marseille et donc je travaille de manière générale sur les liens entre fiction et identité. J'ai fait ma thèse particulièrement sur la culture geek, je travaille sur les fans en général. Fan, c'est quelqu'un qui se revendique comme fan. Donc comme ça, ça permet de ne pas avoir de personne extérieure qui va dire « toi je décide que tu es un fan, toi je décide que tu n'en es pas un ». Après oui, c'est un rapport, on va dire, intense à un contenu culturel qui fait que ce contenu devient une part importante, en tout cas non négligeable, de notre identité, de ce qu'on revendique comme étant nous-mêmes. Quoi. Geek, c'est un mot qui a plus une histoire un peu plus récente, donc qui est vraiment connu à partir des 80-90. Bah, c'est des fans, hein, les geeks, mais c'est passionné de imaginaire fantastique, donc ça va de Tolkien à Star Wars, pas Star Trek, etc. Et avec une dimension ludique et technologique, c'est-à-dire c'est lié souvent à Internet, aux nouvelles technologies, les geeks aussi, les informaticiens, etc. Et le monde du jeu, de la création d'univers ludique, voilà, tout ça. Mais on reste sur des fans. Hein.